Bonjour le monde et bonjour tout le monde qui attend de moi, spécialement fans ou bien des amis fidèles émission ça ou bien des plateforme ça. Donc monde qui toujours disponible et disposé pour bah moi ça veut écoute yo donc qui toujours là. Donc pour entendre tout ça que moi là qui en termes de formation sur plateforme ça. Et m'a salué m'est capable de tout et coach nous yo monde ça encore disponible disposé pour nous donner des instructions ou bien pour nous des coachings, gens américains capables de dire. Donc, moi, salut nous. Donc, salutations avec tout le monde, des gars qui attendent de nous dans ce moment ça. Et aujourd'hui, nous gagnons des capables un sujet qui n'est pas nouveau, pour que ça, parce que c'est toujours de l'assainissement. Mais sauf que, non, regarde, des capables de bien dans une lecture profonde d'Haïti, moi, j'ai jugé que, bon, je sortais vers la généralité. Donc en spécifique me capable de sujet que moi-même mon gars pour me parler sur question de l'assainissement. Donc voilà pourquoi moi remarqué dans vidéo que me délagué précédente jour, moi était un petit casse-toi général dans thème là, mais me dit bah me garder Haïti dans thème là plutôt. Pour qui ça parce que quand pile enjeu dans domaine ça ou bien dans thème ça au niveau d'Haïti ou bien Haïti à confronter. Voilà pourquoi que sujet nous aujourd'hui c'est assainissement. Le cas d'Haïti. Donc, c'est un sujet, c'est un grand thème. Et là, nous allons débattre plusieurs sujets. Ok, c'est assainissement, le cas d'Haïti. Donc, je connais un peu le monde qui va dire, Godfrey, donc là, la connaissance n'est pas territoriale. Ou encore, capable de dire que la connaissance n'est pas nationale. Et je le sais, mais sauf que en tant qu'ingénieur qui est formé en Haïti, en tant qu'ingénieur, je suis capable de dire qui a évolué en Haïti, donc moi j'ai des réflexions, des regards qui m'a fait sur Haïti. C'est pour ça moi voulais mettre savoir moi, moi voulais mettre connaissance moi au service de la population haïtienne. Voilà pourquoi que je dis à moi choisi et bien viser Haïti dans sa relie assainissement. Donc nous voulons faire des vidéos sur assainissement de liquide, assainissement liquide. Mais pour Haïti et assainissement des capables organiques et même pour ou bien assainissement des solides des déchets organiques pour Haïti et m'a félicité tout le monde qui déjà fait parce que grand pile mémoire que moi lire concernant et Haïti en termes de assainissement grand pile monde tout moi lire des articles que monde qui spécialisé en environnement et assainissement et l'eau donc moi lire en pile article OK ce domaine ça on est avec Emmanuel Evans Emmanuel donc ils sont qui sont ingénieurs qui spécialisés en environnement et ça ce qu'on appelle et l'eau et assainissement donc moi les monsieur et moi les d'essayer d'autres monde tout qui fait des études à l'étranger mais qui visait Haïti qui bat mémoire sur Haïti c'est pour que ça me choisit Haïti ou même comme zone d'étude parce qu'il y a pile problématique soit sur le plan assainissement soit sur le plan cyclonique soit sur le plan des capables de logement etc même visé assainissement il m'a fait quelque chose qui a fait le travail donc sur le plan géographique etc mais je dis si m'a parlé de Haïti l'assainissement le cas d'Haïti l'étape importante pour me passer par le commencement j'ai mon cardia donc voilà pourquoi on va voir que moi on va parler tant qu'on est cal on vient de radio tant qu'on est monde qui géographe pour ça parce que faut moi aimer positionner Haïti géographiquement voilà pourquoi le premier sujet dans grand thème ça c'est ça relé environnement physique d'Haïti. Donc le mal d'environnement physique d'Haïti, il est groupé en paquet de bagages. Donc le premier bagage qui a parlé d'environnement physique d'Haïti, ça veut dire la position géographique d'Haïti. La position géographique d'Haïti. Donc c'est-à-dire où est situé Haïti. On va appeler le monde qui a dit Haïti est situé à l'archipel des Antilles. Donc, pas de problème. Donc, ça, c'est très enfantine. Mais, je ne vais pas être une petite grâce technique dans le thème. Les, pour ma position Haïti, je suis obligé à le monde qui étudie ça, qu'on appelle la géodésie. Donc, en passant, la géodésie, c'est la science qui étudie la forme de la Terre et ses contenus. Donc, moun sa yo même, yo subdivisé le globe, yo subdivisé le monde, yo subdivisé la terre
à 36 bandes de 6 degrés. Son grec est lié. Okay? Il dit que, eh bien, il apprend le monde, il apprend la terre, il divise en 36 bandes de 6 degrés. C'est-à-dire, on fait 36 fois 6, ça nous donne 360 degrés. Donc, c'est-à-dire, mais c'est à partir des gris, ça, ils ont positionné quel que soit le pays qui est dans le monde là. Mais ils ont considéré Haïti, bien, dans l'altitude nord, les situer entre 18 degrés 2 minutes et 20 degrés 6 minutes. Ça, c'est la position d'Haïti à l'altitude nord. Et deuxièmement, les situer aussi entre 71 degrés 41 minutes et 74 degrés 20 minutes de longitude l'ouest. Il y a l'altitude nord, ok? Il y a longitude l'ouest. Ça, c'est la position géographique d'Haïti. Voilà pourquoi n'importe qui qui prend un point GPS en Haïti, depuis le banc, depuis que je garde longitude là, je garde l'altitude là, je dis ça, c'est Haïti. Parce que Haïti, il y a une fourchette, je dis capable de dire, entre 18 degrés 2 minutes et 20 degrés 6 minutes l'altitude nord et entre 71 degrés 41 minutes et 74 degrés 20 minutes de l'altitude l'ouest. Donc ça, comme source, on a besoin d'un ouvrage écrit par Jacques Bettelin, monsieur, c'est un géographe qui est intitulé, alors titre livre là, c'est la géographie générale et régionale de la République d'Haïti, publié en 2019 par l'édition et l'IEA, qui c'est I-L-I-H-E-A-L. Donc ça, c'est une édition donc, qui est située à Paris. Donc là, on a bas où la position géographique d'Haïti. Deuxièmement, c'est ça, l'environnement physique d'Haïti. Hein? Donc, ce n'est pas simplement la position géographique d'Haïti. Il y a aussi la superficie de la République d'Haïti. Donc, la République d'Haïti s'étend sur une superficie de 28 675 km². Selon aussi Jacques Bettelin, dans la géographie générale et régionale de la République d'Haïti. Ça, c'est son première source. Mais il y a un peu de monde qui bat sur tout. Ça pour IHSI lui-même. Donc, on est responsable ça, les statistiques en Haïti. Donc, lui-même, il bat ses 27 000 dans l'étude que il a réalisé en 2009, donc il fait comprendre que Haïti c'est 27 000 km². Attendez bien, donc selon IHSI c'est 27 000 km², alors que selon Jacques Bettelin, donc qui est un géographe, dans un ouvrage qui écrit la géographie générale et régionale de la République d'Haïti, il dit que c'est 28 675 km². Emmanuel Nekababdou Evans, donc son grand ingénieur, monsieur spécialisé en ça, environnement, eau et assainissement, monsieur était à une conférence mondiale. Eh bien, monsieur fait comprendre que c'est 28 700 km². Ça, c'est la superficie de la République d'Haïti. Mais bon, c'est que il n'y a pas trop loin, donc ni par Jacques Bettelin, ni par Emmanuel Evenson, ni par IHSI. Donc, c'est très bien, mais ça qui arrive, qu'on est étudié ou pas, j'en sais à t'envoyer. Donc, c'est toujours environ. Donc, il faut que je mette là-dedans environ. Donc, ça, c'est la superficie d'Haïti. Mais, je souligne à un fort, et bien, la quantité de superficie, ça, il y a moins de 800 km qui couvrent par ça, ce qu'on appelle, et bien, des couvertures forestières. C'est-à-dire des couvertures qui gagnent, ça veut la présence des fonds et des forêts. C'est-à-dire, Haïti pas tellement grimpé le forêt. C'est-à-dire, moins que 800 km. Est-ce que vous comprenez ça? Moins que 800 km dans 28 675 km considérés par dans ça qu'on appelle géographie générale et la région de la République d'Haïti. Donc il y a moins que 800 km² qui gagnent ça avec la présence des qui gagnent couverture forestière. Donc ça c'est la République d'Haïti. Donc moi bah déjà la position géographique d'Haïti, moi bah ensuite la superficie de la République d'Haïti. Mais troisièmement, l'environnement physique d'Haïti, c'est ça la population d'Haïti. Donc, on connaît que si on n'a pas de population d'Haïti, il faut viser IHSI, parce que c'est lui qui est responsable pour faire ça, le recensement en Haïti. Mais le problème qui vient de poser, c'est que les bambins, si j'en suis capable de dire, les bambins font un paquet de travail, je suis obligé à le prendre avec les gens qui sont déjà, elles m'ont fait déjà. En tout cas, IHSI est une étude qui évolue en 2009, les bambins, elles m'ont sexué, les bambins, population
par sexe, c'est-à-dire filles et garçons, les bons plutôt par département, ça veut dire département nord, département sud, les bons ensemble de département. Donc moi trop calcul, donc on considère Banque mondiale plutôt. Donc voilà pourquoi que Banque mondiale dans une étude réalisée en 2019, il fait comprendre que la population d'Haïti s'étend à 11,26 millions d'habitants. Haïti là nous presque dans 12 millions d'habitants. Mais population que Negabazou qui représentait Haïti, c'est 11,26 dans étude réalisée en 2019. Donc, pas IHS, il a même réalisé en 2015. Voilà pourquoi je vais apprendre. Pour qu'il sache que on a une évolution qui fait pas oublier que IHS est longtemps que le papier recensement. Donc, le grand recensement est pour faire début en 2019. Donc, je vais arrêter pour qu'il ait réalisé. Par contre, si on continue. Processus là c'est la fête en 2021, donc même moi j'étais inscrit dans le recensement ça, donc pour me capable comme un agent, donc ça va arriver réaliser. Donc ça c'est la République d'Haïti, les gagnants, ça a 11,26 millions d'habitants selon la Banque mondiale en une étude, un rapport qui est réalisé en 2019. Donc moi bon la population d'Haïti, donc quand y a là moi pas le barreau ça relève le département d'Haïti. Combien de départements Haïti gagne? Donc Haïti les gagne ça relève 10 départements. Il y a le département de l'Ouest, il y a le département du Sud-Est, le département du Grand Sud, le département de la Grand'Anse, le département du Centre, le département de la Tibonite, le département du Nord, le département du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Nip, le département de Marconnet. Donc c'est 10 départements Haïti lui-même est regroupé. Donc 10 départements gagné là-dedans et bien 44 arrondissements. Gagné 44 arrondissements et ensuite gagné ça alors, en passant, dès qu'on parle de arrondissement, et ça le chef-lieu département et gagné 144 communes. Ça c'est selon un rapport Adodim publié en 2010. Mais en 2009 par rapport par là tout lui-même, il dit qu'il y a 10 départements, il y a 42 arrondissements, il y a 140 communes et il y a 64 quartiers. Donc mes amis, Haïti sont petit allié par rapport à la Russie, par rapport à la Russie, Haïti sont un petit point parce que la Russie c'est le pays le plus étendu du globe, le pays le plus étendu de l'univers. Deuxièmement, si nous avons pensé à le Canada, qui est le pays le plus étendu de l'Amérique du Nord, et le Brésil, le pays le plus étendu de l'Amérique du Sud, donc, eh bien, vous remarquez, Haïti, son petit bail tout petit lié, parce que la Russie, nous avons fait 33 fois, eh bien, la superficie de la République d'Haïti. Donc, là, nous avons un. La position géographique d'Haïti, mais bah au deux la superficie de la République d'Haïti, mais bah au trois la densité ou encore la population de la République d'Haïti, quatre mais bah au cinq les différents le nombre des deux départements et communes et en passant m'oublie mentionner la section communale. Donc selon IHST en 2009 dans le rapport il y a fait comprendre 570 sections communales, mais moi bah, c'est une plus qu'on y a parce que gagne des nouvelles communes qui viennent augmenter, gagne des départements qui viennent augmenter parce qu'en 2009 peut-être qu'on gagne un dixième département. Dernier élément qui me parle bah on a ça relé environnement physique de la République d'Haïti, c'est ça relé le climat. Ça dit alors en passant la science qui étudie ça qu'on appelle le climat, c'est ça relé la climatologie. La climatologie qui étudie ça qu'on appelle la température, qui étudie ça qu'on appelle le climat, le changement, le variation qui existait dans l'environnement. Donc ça nous pas jeune en Haïti comme étude, donc pour étudier il faut aller à l'extérieur pour aller étudier ça qu'on appelle la climatologie. Donc son belle science, OK, son belle science. Et bien en termes de climat, il fait comprendre qu'il y a trois grandes zones. Donc les grands scientifiques font comprendre qu'il y a trois grandes zones dans l'univers. C'est la polaire, donc c'est une zone qui est très froide. Donc sur le point Alaska, on peut dire non, zone polaire. Et deuxièmement, il y a la zone tropicale. Donc là, il y a une température, une variation du climat, donc qui fait un chaud. La majorité est chaude et il y a la zone froide. Attendez bien, il y a trois types de zones. Il y a la zone polaire, il y a la zone tropicale, il y a la zone froide.
Donc c'est froid. Eh bien, Haïti lui-même est situé dans sa rue, la zone tropicale. Donc c'est ça qui fait que Haïti le bien ça a une variation de température. Donc des fois température haute, des fois aussi température basse, mais sauf que les gonds fourchettes. Il n'y a pas jamais dépassé en termes de refroidissement, il y a un niveau pas jamais déplacé en termes de réchauffement tout, mais en termes de chaleur, il y a un niveau de température Haïti pas jamais dépassé. Et maintenant, il y a une étude, même des cas de monde qui fait climatologie, il fait comprendre que la température moyenne de la République d'Haïti, les situés le plus souvent au Bali, Port-au-Prince, comme ville, on est capable de dire de la capitale. Et maintenant, c'est 27 degrés. Ça, c'est la température moyenne. Ok? J'ai bien dit la température moyenne d'Haïti. Donc, c'est 27 degrés. Donc, ça dit annuel. Ok? Et deuxièmement, il y a une plus grosse température que vous êtes arrivé à joindre. Eh bien, on est capable de dire en termes de moyenne. Attendez bien, en termes de moyenne annuelle, c'est là, dans la ville de Gonaïve, c'est 71 degrés. Une minute. Donc voilà pourquoi m'a souligné à encore forte mais la ville de Gonaïves, c'est la ville la plus chaude de la République d'Haïti. Ville qui est plus chaude dans la République là, c'est Gonaïves parce que c'est là qu'on trouve un 27 degrés une minute et bien des capables en température moyenne annuelle. Alors que après, on va venir parler du département de l'Ouest qui c'est pour qui c'est le capable de gagner chef lié arrondissement chef département ça c'est pour Port-au-Prince. Il y a une température qui c'est 27 degrés. Ça veut dire en termes de ville qui est plus chaud, c'est Gonaïves soit 27 degrés une minute. Alors que Port-au-Prince vient en deuxième avec 27 degrés. Et vous voyez que pas oublier la température qui diminue en altitude, donc autant qu'il va augmenter, autant qu'il va élever en altitude, donc il y a une diminution. Donc parce que donc les scientifiques font comprendre que ni la température ni la pression sont diminuées en altitude. C'est-à-dire autant qu'il va monter, il y a moins de température, il y a moins de pression. Et bien Pétionville, donc il y a 400 mètres par rapport à d'altitude par rapport à Port-au-Prince, et bien température par là, même c'est 25 degrés, et bien 6 minutes annuellement. Ok, et ensuite il y a 15 coffres qui ont encore pire, les mêmes c'est 17 degrés et bien des capazou et bien 6 minutes qui gagnent à 15 coffres. Donc voilà la température, le climat. Et la dernier niveau de température, c'est la température maximum qu'on arrive à atteindre rejoindre en Haïti. C'est une étude qui évalue dans l'année 1996 à Port-au-Prince. 38 degrés yon minute. Ha, c'est une plus grosse température que yon repéré. Alors, yon pas calculé parce que la température n'est pas une grande physique. Ok, la température, on ne peut pas calculer la température, mais on peut repérer la température. Ok, donc l'instrument qui permet de repérer la température, il y a ça, le thermomètre. Le thermomètre, ce n'est pas un appareil qui sert à calculer la température, parce que la température n'est pas une grande fille. Parce que si on prend 20 degrés plus 10 degrés, ça va prendre 30. Alors que le problème, on mélange ces delta, mais si on a une variation de température, ça c'est température initiale, finale, moins température initiale. Alors, on va voir que au lieu de 4, 10, au lieu de 30, la bande 10 pour ça, parce que donc, il n'est pas augmenté. Voilà pourquoi on dit la température n'est pas, au bien des cas, ce n'est pas une grandeur physique alors. Donc, on ne peut pas calculer, mais on peut repérer. Donc, la plus grande température qu'on repère en Haïti, c'est à Port-au-Prince de l'année 1996, mais le bail, c'est 38 degrés. Température Haïti, pas jamais dépassé ça depuis à l'époque. Et la plus basse température, ça, la température minimale qu'on trouve dans le 4 février 1910, encore à Port-au-Prince, c'est ça ce qu'on appelle eh bien, 15 degrés 2000. 15 degrés 2 minutes. Elle dit température à Haïti n'est pas même plus bas que 15 degrés. Alors que Canada, là-bas, moins 10, moins 20, moins 30 degrés. C'est la présence de la glace. Donc ça, yo, moi je n'ai comme source, c'est dans la géographie générale et régionale de la République d'Haïti, écrit par Jacques Bitelin, donc c'est son géographe, et bien, qui a publié un livre ça dans l'année 2019 par l'édition LIHEAL Paris. Et bien,
ou ka toujours contacter yo ou même. Donc pour ça moi ba yo moi positionner d'Haïti, c'est parce que si moi va parler de l'assainissement le cas d'Haïti, mais faut que moi capable me positionner Haïti géographiquement, faut me ba qui est-ce qui Haïti, faut me parler de l'Israël parce que Haïti vient de venir pour moi mais la zone d'étude, parce que dans vidéo mais c'est comme si c'est une mémoire que moi va l'écrire. Donc si son mémoire va l'écrire, zone d'étude là, faut me capable positionner, faut me capable parler de lui. C'est ça qui fait que dans la vidéo ça, nous pensons que donc nous cas dit pas important, mais moi c'est important parce que c'est base pour me continuer avec séance et mes vidéos qui parlent assainissement le cas d'Haïti. Donc c'était avec vous ingénieur Jason Godfrey. Nous même pas être un croyant géographe dans la vidéo ça, même pas géographe, et moi c'est ingénieur Jason Godfrey qui étudie à l'URL, qui c'est Université Ruben-Lecomte. Mais en passant, moi étudie aussi à la faculté des sciences, la topographie. Mais actuellement là, nous avons des bagages qui sont en cours, que nous pouvons dire, nous avons fini de finaliser, nous avons révélé. Ok? Moi, je crois que l'information est importante pour nous. Rebrancher, bande de commentaires. Il faut commenter dans la vidéo. Donc si vidéo arrive sur nous, si nous aimons un travail là, et pas simplement de capable de tendre, faut que nous commenter, faut que nous like, faut que nous partager vidéo en sorte que pour arriver plus loin, parce que l'objectif nous c'est former la population haïtienne, la population haïtienne. Donc on l'autre vidéo après.